ne sont pas automatiques, il faut demander, il faut faire une demande auprès de la région ou de la commune pour l'obtenir. La réduction automatique, c'est une réduction de 120 euros que chaque propriétaire recevra en février. Pour cela, il ne faut rien faire. Mais il y a aussi des réductions qui ne sont pas automatiques pour lesquelles il faut faire une demande soit à la commune, soit à la région. À la commune, il faut demander un formulaire pour le remplir. Si vous avez une seule propriété, vous avez d'office une réduction qui peut monter jusqu'à 300 euros. Donc, demandez à la commune cette formulaire pour demander cette réduction. Et deuxièmement, il y a une réduction aussi au niveau de la région. Si vous avez si vous êtes deux enfants ou plus, ou si vous avez un logement moyen, alors là aussi, vous pouvez avoir une réduction de plusieurs centaines d'euros à demander à la région. Donc c'est très compliqué. Et ce que nous faisons, nous avons fait un flyer qui est petit, qui explique bien ce que les gens peuvent faire. Et on les distribue aujourd'hui à Molenbeek pour faire comprendre aux gens qu'ils ont droit à des réductions sérieuses sur une taxe qui a fortement augmenté. Et donc on essaye d'informer les gens au maximum de leurs droits. Ok. Et pour les locataires, est-ce que vous gagnez quelque chose dans cette histoire? Ça aussi, c'est très important de savoir, c'est que les locataires, eux, ils peuvent aussi avoir une réduction. Ils peuvent avoir la même réduction qu'a droit le propriétaire, parce que le propriétaire qui n'occupe pas son propre bien, il ne peut pas avoir la réduction. Par contre, son locataire peut avoir la réduction que peut avoir le propriétaire. Donc concrètement, si vous êtes locataire, demandez des informations par rapport au précompte immobilier à votre propriétaire. Et votre propriétaire, lui, il va vous les donner et vous pouvez demander alors la réduction auprès de la région, auprès de la commune. Et ça peut être jusqu'à 200, 300 euros par an. Expliquez là. Voilà. Payez-vous trop cher votre habitation, votre logement? C'est ça la question en fait. Et la réponse est oui, parce que vous payez beaucoup trop d'impôts pour le précompte immobilier. Mmh. Vous pouvez avoir des réductions. Et vous n'êtes pas au courant, la plupart d'entre vous n'est pas au courant du fait que vous pouvez les obtenir en simplement renvoyant un formulaire tant à la région et à la commune. Et donc nous sommes en train de vous informer du fait que vous pouvez avoir ces réductions. Parce que plein de gens ne le savent pas, pourtant ils en ont droit. Ok. À l'intérieur, on a quoi? À l'intérieur, on explique d'abord c'est quoi le précompte immobilier. Beaucoup de gens ne le savent pas. Pourquoi est-ce qu'il y a une augmentation de la taxe? On vous l'explique aussi, c'est la commune et la région qui ont décidé d'augmenter la taxe. Et après, on vous explique comment vous pouvez obtenir les réductions. Génial.